Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de The Cave. Content que le premier épisode vous ait plu. Nous allons continuer à explorer la caverne. C'est parti. Ah merde, il me faut le chevalier. Très bien. Alors chevalier, excuse-moi, mais finalement tu vas laisser ta place. Non, merde, c'est un. Hop. Tu vas aller récolter l'image, c'est parti. Une aubaine. Le petit paysan. Ok. Ça c'était pour récolter un petit bonus, c'est cool. Alors, continuons à nous enfoncer dans la caverne. D'accord, il faut les trois personnages. Les trois. Trois petits bouts de temps vert. Sérieux? D'accord. Comment on passe là, hein? J'avoue, je comprends pas comment on va passer là. Ça commence bien, dis donc. Voyons voir. Il y a une caisse là. Est-ce que ça peut être... Et cette caisse peut m'aider. Oui, bien sûr. Si je bête, cette caisse va me permettre d'amortir la chute. Amortissage, parfait. Et voilà. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Allons-y. Hop. Wouh. Ah merde, j'ai pas lancé de chrono. Faudrait éviter que cet épisode dure 2 heures. Excusez-moi. Ok. Some say chivalry is a trait that cannot be learned. It is a quality you are born with. That may or may not be true, but what is true is you can't steal it. It's a lesson our brave knight friend is about to learn, or a lesson we hope he is about to learn before anyone else gets hurt, or maimed, or killed, or eaten alive. Forget I said eaten alive. Spoilers! Très bien. Ça va être apparemment un niveau très axé sur le chevalier. Alors en fait je sais pas encore comment se découpe le jeu, donc je sais pas si j'aurai des épisodes plutôt courts ou plutôt longs. Je vous avouerai. Parce qu'en fait si le jeu se compose en tableau, je pense que je préférerais découper par tableau. Je pense que ça serait plus intéressant. Et je vois que je n'en sais rien en fait. Alors attendez. Je descends tout le monde, au moins c'est fait. Qu'est-ce qu'on a là? Du néant. Donc là on meurt. Voilà. On sait jamais. Peut-être que si je traversais suffisamment vite, pas de problème. Ça se tentait, moi je dis ça se tentait. Par contre, voilà. Pour ça, j'ai trop tendance à s'accrocher en fait, c'est assez chiant. Ok, flamme brûlante. Alors. Est-ce que le chevalier en armure peut passer? Je sais pas ce qu'il va cramer quand même, mais on tente. On va voir. Est-ce que tu brûles, mon frère? Oui.
Ouais, même en serrant bien à droite, il brûle. D'accord. Bon. Ni venu connu, je t'embrouille. Ok, donc là, il y a une énigme. Une énigme. Ah, nous avons une flamme brûlante et une flamme. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Attendez. J'ai quoi comme touche? E, interagir. C'est relâcher, sauter, marcher, ramasser, lâcher. Q, invincibilité. Oh! Intéressant. Je ne savais pas qu'ils avaient des pouvoirs en fait. Bon, ce Q c'est A en fait parce que ah, ils ont pas eu la peine de changer les touches du tuto. Voilà. Oh, une épée. Another fine knight hath cometh to try and pulleth Excalibur from the stoneth. Only the worthy may attempt such a feat. Prove thy worth by first winning the love of my daughter. She is quite prickly, and I fear she will never wed. Returneth with her amulet as proof of her love, and thou will be granted a chance to pulleth the swordeth from the stoneth. Alors, non seulement, alors c'est quand même assez rigolo. Non seulement il faut que j'arrive à trouver sa fille, que j'arrive à la faire tomber amoureuse, et ensuite j'aurai une chance de retirer Excalibur. La loi des probabilités, hein. En tout cas, elle est grande, la caverne. Oh. Très bon grand man. Y'a quoi à droite? Rien du tout. Très bien. Nous allons faire comme si de rien n'était. C'est bon. On va faire comme si j'étais pas un gros sac. Another chivalrous knight trying to win my love through misguided feats of bravery or bribery. I really need to talk to my father about this. Okay, let's get it over with. Go prove your bravery by returning with the gold the dragon is guarding. Do that and I'll give you my amulet as a token of my love. Blah, blah, blah. That is what you want to hear, right? Dragon, gold, amulet. In that order. Men, I just want to be an electrical engineer. Très bien. Elle voulait juste être ingénieure électrique. Enfin, électricienne. Dragon, princesse. Dragon. Mort. Machin à flamme. Les pires. Qu'est-ce qu'on a là? Bonjour. Excusez-moi. Je crois que je me suis perdu. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre voie lactée. Tout va s'effondrer. En fait, je suis sûr que le dragon, c'est un mec tout à fait sympathique.
peut-être pas. Macho. C'est le nom du dragon ? Eh, il s'appelle comment ton dragon ? Macho. D'accord. Une amusante escroquerie. Verrouiller la porte. Truc qui brûle. Ce machin-là brûle. Allumette géante, flamme, dragon. Alors je tourne en rond en fait. Oh fuck. Ah c'est bon, ils ont l'intelligence de me raser ici. Ah d'accord, il m'a passé l'invincibilité. Bon, il faut que je trouve une clé. Pour subrepticement... Bref, pour voler en douce... Arc. Le magot du... Du dragon. La question c'est où est sa clé ? C'est quoi ce pouvoir ? Télékinésie, jumeau double fantomatique. Téléportation. Oh oh. Est-ce que ça peut le faire ? On va tester, écoutez. Est-ce que je suis seulement allé là-haut ? C'est là-haut qu'il faut que j'aille et je... Je me rappelle même plus si je suis allé. Off with you. Ah, clé du dragon là-haut. D'accord. Ah, est-ce qu'il sera plus sympathique avec un comparse chevalier ? Je ne pense pas, mais on va tester. Non, c'est pas par là. Ok, en fait, il y en a partout. Alors, je pense que là, j'aurai besoin de mes camarades, de mes camarades. Donc, on va aller les amener parce qu'il va falloir que j'en ai besoin. Quoi. Il va falloir que j'en ai besoin. C'est bien. Ah, non, mais je parle aussi bien français que je l'écris, ça, maman. On avait dit, pas les mamans. Pardon, excusez-moi. Est-ce que là, je peux pas y aller comme une enfoirée, en fait? À base de je casse le jeu avec mon personnage. None shall pass. Mais j'ai la clé, la l'air. I hope you're mad, bro. Par contre, je sais pas où mène la cage, mais. Off with you, commoner. Uh-uh.
Alors la question c'est où est-ce que ça va m'amener? Premier étage. Deuxième étage. On va bien voir où ça va mener. Keep out. Vraiment, ça descend quand même assez profond. Ah, ça descend là. Ça aurait pu être en raccourci si. Merde. Ça peut être un raccourci si le garde ne m'avait pas. Accroche-toi, s'il te plaît. Merci. Ça peut être un raccourci si l'autre me défonçait pas, quoi. Bon d'accord, c'est pas gagné. 9 shall pass. En tout cas, il y a des explosifs là-bas. Bon. Ok. Le dragon me dit toujours ferme ta gueule. C'est pas méga sympathique, monsieur le dragon. Je sais pas si vous en rendez compte. Ah oui, ça va être compliqué. Ça va être un peu compliqué en fait. Si j'ai pas la bonne armure, ça peut durer un moment. Et si vous jouez discrètement? Ok. Si je veux utiliser mon double fantomatique, ça va être assez chaud. Voilà, méga chaud. Oh oui, je l'ai.
Je me disais que c'était la méthode normale, mais je l'ai. Sounds like someone forgot to close the gate to the dragon's den. I'm sure the princess will be fine. She's way up in the tower. I don't think dragons can fly. She'll be fine. Sounds like that dragon is gone. Probably a million miles away from here. Ah, mais j'ai son or, moi, ça me va. Le pire, c'est les morts, j'ai l'amulette. Oh, c'est pas très gentil ce que je viens de dire, mais... Après tout, elle voulait être ingénieur électrique. Enfin, ingénieur en électricité et pas... Elle voulait pas devenir princesse, c'est pas grave. Merde, j'étais déjà arrivé de où, moi? Je suis perdu! Mais là, suis-je bête? Merde. I think it was the princess that wanted the gold, not the king. Ooh, let me quickly check on the internet. Yep, princess wants the gold. Lol. Il me trash talk en plus. Bah ouais, mais le problème c'est que la princesse là... Comment j'y retourne? Hein? Merde. C'est une connerie encore. Au moins, ils me cassent plus les couilles, eux. Il y avait quoi à gauche? Ah, bah oui, je suis bête. Let me check on the internet. Caisse de dynamite. Ah! Une caisse de dynamite. Une mine! Ça se résumait comme ça à la fin. Avec tous les trucs qui brûlent, je vais pas venir, j'ai... Il y avait des sabres plus bas aussi. Y a rien qui est peu allumé. Faut que je descende tout en bas. Shit. Bon. Eh bien, allons. Chercher les jumeaux. C'est moi, je vais pas prendre la torche. Plus à la limite, c'est pas grave s'ils explosent. Ah, ça doit être cassé aussi. Faut prendre cet argument en compte. Non, ça a pas cassé. Ah bah si. La 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 la.
Bon. Tu me dis... Ah mais oui, non mais je suis con. J'ai pas besoin de la dynamite en fait. Seconds away from getting the princess's amulet. Oh, the suspense is killing me. The suspense was killing someone. It just wasn't me. Worst first date ever. Well, looks like the knight is out of luck. He's never going to get her amulet now. I stand corrected. Looks like it's a win-win. Well, not for the princess, but win-win for the knight and the dragon. When our brave heroes get back to the king, my advice would be to skip over this part. Ouais, je pense qu'il sera pas trop content d'apprendre que sa fille est morte. Entre nous. Par contre, du coup, cette dynamite m'intrigue. Et je sais pas pourquoi, j'ai une idée, des fois je la mette. Vous allez voir. On va pas s'en servir tout de suite, mais on va le mettre de côté. En espérant qu'il n'y aura pas un TP, vous savez, automatique. On va voir. On a bizarrement envoyé. Ça. Je me demandez pas pourquoi. Juste un pressentiment. Merde. Nya, voilà. Nya, je ne sais pas utiliser mon personnage. Let's hope the king doesn't ask how the princess is doing. Awkward. Oh, don't forget to wipe the princess bits off the amulet before giving it to the king. It's just good manners. C'est sûr qu'il vaut mieux pas qu'il voie des morceaux de sa fille, quoi. Il risque d'assez mal le vivre, je pense. The brave knight returns with my daughter's amulet. And the first ever to do so, I might add. My daughter can be hard to swallow sometimes. As promised, Yi has won the right to attempt to pull the sword from the stone. You must have really proved your undying love for her. Ooh, why did he have to say undying? Knight seems to be having some problems pulling that sword from the stone. Raise your hand if you're surprised. Yeah, me neither. You should have put some more points into charisma and chivalry. Mais pas de soucis. Voilà! You could do it. You have proven your honor and won the right to marry my daughter. I'm going to run to her with the good news. Wait for us in the garden. As soon as we return, the wedding can begin. Who says cheaters never win? Losers, that's who. The king seems pretty excited about his new trial by sword pulling son-in-law. Ooh, sounds like he's off to hug and congratulate his favorite daughter on the upcoming wedding. Yeah, well, what's left of her anyway. J'avoue, ce qu'il en reste malheureusement. Ah mais très bien, d'accord, donc ça a l'air de vraiment se composer en espèce de tableau. Mais en tout cas, moi j'espère que ce tableau et donc cet épisode vous auront plu. Je vous retrouve très prochainement pour la suite de The Cave. Je vous fais des bisous et je vous dis ciao les gens.